Le film que j'ai choisi, c'est La Folie, pas du tout. Ce film est magnifique, principalement parce que Audrey Tautou joue dans le film. Cette femme est très belle et une excellente actrice. Je suis très attiré par les Françaises et Audrey Tautou correspond à tous les critères. J'ai aimé ce film car il montre vraiment comment l'amour peut rendre fou une personne. C'est aussi que certaines personnes sont malades mentaux, mais je trouve que le film touchait quand même sur l'amour. Ce film me rappelle de mon ex qui m'amenait à la folie au point de s'en rendre aveugle. Heureusement qu'elle n'a pas agi comme Audrey Tautou, sinon j'aurais eu des problèmes. À des moments, j'ai trouvé que le film était un peu choquant parfois, au point où j'étais au bord de mon siège. J'étais surprise quand le film a changé de perspective d'Angélique à la Dr. Loïc de Garrec, l'homme dont elle est obsédée. Pour la première moitié du film, j'ai sympathisé avec Angélique et je lui ai souhaité bonne chance. Quand j'ai découvert la vérité sur ses actions, j'ai été surprise et le film est devenu beaucoup plus amusant. J'ai pensé que Dr. Loïc allait tromper sa femme, mais il n'avait aucune idée des intentions d'Angélique. Il la connaissait seulement comme femme de ménage, mais elle a une idée folle qu'il va laisser sa femme pour elle. Une chose que je n'aimais pas dans le film est quand j'ai découvert que Angélique avait causé la fausse couche de sa femme. À ce stade, toute ma perspective a changé et je me suis rendu compte qu'elle est folle. Ce fut un énorme tournant dans le film, mais c'est absolument terrible. Après que son pont échoue, elle tente de se suicider. J'ai appris que certaines personnes feraient n'importe quoi pour l'amour, même avec des personnes non diagnostiquées d'érotomanie. L'érotomanie est une problème. Trouble délirant qui implique le harcèlement et des idées illogiques, mais les personnes sans cette maladie comprennent également la force de l'amour. J'ai appris à ne jamais faire entièrement confiance aux intentions des gens et prendre au sérieux les émotions d'autres. Au fin du film, Angélique est libérée d'un service psychiatrique. Elle était supposée de prendre des médications, mais elle n'a pas et elle continue de